Après Abidjan, où ils ont été reçus par le Premier ministre Daniel Kablan Duncan, les hommes d'affaires coréens ont découvert Yamoussoukro en ce grand projet visant le développement local et le progrès des populations. À l'issue d'une rencontre avec le gouverneur Augustin Thiam, ils ont décidé en première intention d'investir dans l'agriculture, la riziculture notamment, relancée dans la région du Béli à travers le projet Ya Nouvelle. Grâce à ce soutien et à l'expertise de l'entreprise Colon Group, Yamoussoukro va produire du riz de meilleure qualité avec un accent particulier sur la qualité des semences. Le chef de la délégation coréenne, par ailleurs président directeur général du groupe Colon, a assuré le gouverneur du district de Yamoussoukro qu'il va également soutenir d'autres projets ayant manqué de financement, notamment le centre de recherche sur la cacaoculture de Zambakro, le centre pédiatrique et le projet de traitement des déchets. Toutes ces perspectives ont été présentées à la chefferie Akwe, honorée de la visite des investisseurs coréens.